Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour un live sur Pokémon Perle après 2-3 semaines, peut-être 4, je sais plus, me tapez pas. Ça fait très longtemps que je vous ai pas live du Pokémon Perle, alors il y a plusieurs raisons à ça, je m'excuse de cette absence. Première des raisons, c'est qu'il y a eu la cité d'Hakuna Matata qui m'a coupé en plein dans le let's play. C'est vrai que j'étais vachement occupé pendant une semaine à peu près. Semaine d'après, j'ai été un peu sur Paris, donc un peu à droite à gauche, je me disais que c'était pas le bon moment pour reprendre. Et puis après, vous savez peut-être ce que c'est, quand on repousse quelque chose, on a de moins en moins envie de le faire. Il y a plusieurs fois où j'ai eu envie de le faire, mais il fallait que j'entraîne certains Pokémon, donc j'avais pas la foi, et je repoussais ça à demain, etc., etc. Puis bon, là j'ai profité du week-end, je me suis dit, allez, c'est bon, là tu vas remettre ton équipe à niveau, tu vas te reprendre. Et tu vas repartir sur du Pokémon Perle parce que c'est quand même un sacré bon jeu. Ce serait bête de le laisser en blanc. Et également, autre petite raison, et là vous pourrez peut-être plus me comprendre, vous les Poképhiles, qui a poussé à cette petite pause, c'est que je me suis procuré enfin Pokémon X et Y et que je le dévore. Même si je suis qu'au deuxième badge, je le dévore quand même, j'arrête pas de jouer, de faire plein de trucs. Voilà, ce jeu est vraiment génial, donc c'est pour ça qu'il y a eu une grosse pause. Néanmoins, c'est bon, ça va reprendre. Alors, petit rappel pour vous et pour moi, on avait deux badges, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble qu'on avait deux badges. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit là, je crois. Ouais, c'est ça, on avait deux badges. Donc c'est pas mal, et donc j'ai mis mon équipe à niveau, juste pour vous montrer. J'avais capturé un Archéomyr pour ceux qui avaient raté la dernière fois, donc je l'ai mis 22. Qu'est-ce qu'il avait appris comme attaque? Extrasenseur, c'est pas mal. Voilà, les autres ont pas vraiment monté de niveau, je pense. Peut-être vite fait en entraînant Archéomyr, mais je crois pas. Vous regarderez ça. Bon, et le Kenotor qui est là juste parce qu'il la coupe. Bref. Voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve, je suis à Charbourg normalement. Je vérifie. Oui. Bon, évidemment, il fait nuit parce que pour ceux qui regarderaient la rediff, il est 23h au moment où je live. Je live toujours sur des horaires maintenant un petit peu, vous le savez, différents où je suis sûr qu'il n'y ait pas énormément de monde. Non pas que j'ai pas envie de profiter avec vous, mais avec les récents problèmes qu'on a eu au niveau des lives bien cadrés, bien prévus en termes d'horaires qui étaient annoncés sur la chaîne, il y avait pas mal de soucis et je pars du principe qu'il vaut quand même une bonne rediff au cas où, donc voilà. Même si c'est sûr que c'est bien de profiter, mais bon, on peut pas malheureusement tout avoir visiblement, donc bon. J'ai pas demandé, ça lag pas, le son, tout va bien, enfin, personne qui s'est plaint, donc normalement, ça devrait aller. Est-ce que je me suis soigné? J'ai un doute. Ouais, je me suis soigné, ok. Et du coup, on va remettre un peu Boscara devant, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Nickel, tout va bien. Bah écoutez, c'est parfait. Nickel, nickel. Alors il fallait qu'on aille par ici, il me semble. Les Pokémon endormis ou paralysés peuvent être immobilisés. Ouais. Et je rappelle pour ceux qui se posent la question, le live dure 1h30. On finira, pour les plus tardifs d'entre vous, aux alentours de minuit 30, quelque chose comme ça. Juste, il fallait que je regarde ma carte. Ah, c'est vrai que j'ai une multi-expérience. Non, il faut que je chope ma carte. Ouais, il fallait que j'aille à... Je suis complètement perdu aussi. Il fallait que j'aille là, il me semble, à Union Police. À moins que c'était là qu'il fallait que j'aille, je sais plus. Non, il fallait que j'aille à Union Police, me semble-t-il. On va voir, de toute façon. Donc, on est parti. Avançons tranquillement. Puis, bah écoutez, je vais en profiter, vu que vous êtes pas super nombreux, pour essayer de voir un petit peu ce que vous me dites, tout ça, tranquillement. Donc oui, il y a pas mal de modos maintenant, j'ai mis tous mes amis modos, donc si ils voulaient bien modérer un peu, ce serait gentil, même s'il n'y a pas de soucis, là, visiblement. Un Pachiritsu. Pachiritsu et un Ponyta. Oups. On va peut-être switcher rapido, alors, attendez. On va envoyer lui, déjà. Et lui, il va envoyer morsure sur Ponyta, mais on va éviter de trop fracasser Boscara d'entrée. Au pire, je crois que j'ai des potions, des rappels et tout, il me semble. Non, je confonds avec ma version Y, là, rien à voir. Enfin, bon. Aïe. Non, ça va. Allez, en fait, j'aime bien, il y a tout le monde qui salue les modos, là. C'est assez drôle. Mais bon, pourquoi pas. AquaG, je crois que je vous avais pas montré ça, AquaG. Je crois pas qu'il l'avait appris avec vous. C'est plutôt génial comme attaque. Enfin, ça fait pas mal de dégâts. Donc
bon, déjà Bonita, on peut lui dire adieu. Je regarde un peu. Tout le monde salue les modos, c'est énorme. C'est assez rigolo. Luxure monte au niveau 22, parfait. Je sais pas si. En termes de niveau, je sais pas où j'en suis. Bah, vous me direz, le deuxième badge, j'en avais vraiment pas eu de soucis. Donc, a priori. Ouais, par contre, j'ai fait. Ouais, je suis débile, je dis que je veux pas abîmer Boscara, mais j'envoie Mist Bouée sur un Pachiri Zoom. C'est normal. C'est la reprise, hein, tout va bien. Je dois avoir une potion qui traîne. C'est pas grave. Ouais, je suis débile en plus, mais pourquoi j'envoie lui? Bon, bah, maintenant qu'il est là, hein, je vais vous dire. Voilà, maintenant qu'il est là, on va l'utiliser. Tant pis, c'est vrai que j'avais Météor qui peut être sympa. Je filme avec quoi alors pour ceux qui me redemanderaient par rapport à ça? Il va crever, hein, je vous dis, il va crever, ouais, c'est pas grave. Je filme avec qui? Enfin, je filme. Ouais, voilà, il est mort, allez, casse-toi. C'était la connerie de début de live, c'est pas grave. Je filme avec qui? Enfin, je filme, je stream, pardon, avec XSplit. Qui est un logiciel payant. Enfin. Non, vas-y, envoyez tout rôle, mais vas-y, continuez les conneries, c'est bien, envoyez Archéomir. Qui est payant, vous pouvez l'avoir gratuit, mais vous aurez pas une qualité tip-top. Donc je vous déconseille. Voilà, après c'est... Enfin, c'est pas ultra cher. C'est... Je crois que c'est 60€ l'année. Moi, c'est ce que je paye. Mais bon, au moins, voilà, c'est... Tout est bon, tout est bien, donc... Tout est nickel. C'est en vrai un Pokémon Perle qu'on se rend compte du changement avec Pokémon Y. Tout à fait, oui. Je suis assez d'accord avec vous. Ça me fait un peu bizarre. En fait, j'ai surtout l'impression que tout est plus lent. Là, pour revenir sur Pokémon Y, j'ai vraiment l'impression que tout est plus lent. Le temps d'attente entre les attaques et tout, c'est moins fluide. C'est... Ah bon. Ça reste un bon jeu. Alors, est-ce que j'ai un rappel ou est-ce que d'entrée, je vais devoir aller ressusciter mon... Parce que je crois qu'on va passer par une grotte, alors Boscara et Mist Bouée pour nous être utiles. Est-ce que j'avais un rappel? Est-ce que vous vous souvenez si j'avais un rappel, les amis? Objet, médicament. J'avais pas de rappel. Est-ce que, à tout hasard, ceci serait un rappel? Non. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. C'était un faux départ. C'est pas grave. Après, il y a que des montagnards, on va les défoncer. À coup d'aquagé. Ça va être assez pratique. Y'a New Titeuf, bonsoir New Titeuf. Je ne sais pas où il est sur le live, mais apparemment il est là. Alors là, vous me demandez d'inviter pas mal de monde sur Skype. Le truc, c'est que là, c'est déco et Skype favorise tout ce qui est problème pendant les lives. Donc je vais éviter si ça vous embête pas. Peut-être, mais quitte à inviter des gens pour les prochains épisodes, peut-être plus passer par Mumble ou quoi. Mais bon, là, c'est pas prévu, c'est en reprise tranquille. Donc. Bon, s'il te plaît. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, ouais, au pire on pourra inviter des gens pour ce let's play, y'a pas de soucis. Pour un épisode ou quoi, je sais que sur Pokémon Argent j'avais invité Free à un moment. Et. Il y a bel et bien une grotte. Et pour Pokémon Ruby, je sais plus si j'avais invité quelqu'un pour Pokémon Ruby. T'as X ou Y et quel start? Alors j'ai pris la version Y, au final j'avais. Bon, j'avais commandé la version X, sans rien payer heureusement parce que je suis pas allé la chercher. Finalement, Xef a pris la version X aussi, alors on s'est dit, ouais, bah, je vais prendre la version Y pour faire comme, comme au bon vieux temps. Alors, par contre, ça, j'aurais dû couper, désolé, voilà, Crawling, t'es bien gentil. Crawling, il souhaite un peu toutes mes vidéos, je sais pas si vous avez remarqué. Chaque fois, on voit son message qui apparaît, c'était pareil dans Amnesia. Ouais, donc finalement, j'ai pris la version Y parce que Xef a pris la version X et j'ai pris Grenous en starter de départ. Ça me ressemble pas, je sais, mais... Habituellement je prends les starters feu, mais je suis pas fan du design de l'évolution finale du starter feu. Donc j'ai décidé de prendre. J'ai décidé de prendre Grenous. Et bon, je me suis rattrapé, j'ai pris Salamèche un petit peu plus tard. Mais ouais, ouais, du coup j'ai pris Grenous tranquillement. Mon équipe dans Pokémon Y. Ah, c'est dommage que j'ai toujours pas pris ce foutu capture board pour être utile. Bon, je vous la montre. J'ai qui à l'heure actuelle? Alors, j'ai que deux badges, donc c'est vite dit. Non, j'ai trois badges, hein, je vous dis une bêtise, j'ai eu mon troisième badge l'autre jour.
J'ai un. Alors, l'évolution de la dernière évolution de Grenousse, je connais pas les noms, hein, donc je vous préviens. Donc, j'ai eu la dernière évolution de Grenousse, j'ai un Dracaufeu, j'ai un Lucario, et pas le Lucario qu'on nous donne, je précise, avant, moi je me suis embêté à choper un Riolu. J'ai un des deux fossiles, là, celui, espèce de gros dinosaure. Vous avez vu, je connais bien le jeu. Et j'ai un. J'ai un, je sais même plus après, je vous dis des bêtises. J'ai un Raichu. Et en dernier, j'ai un. Ça va me revenir. J'ai un Gardevoir. Voilà. À peu près. Je fais au feeling, tout simplement. Alors, ici, comment je. Eh ouais, mais comment je viens là, moi? Ah, par là. Ah, il y a plein de trucs là. Ça pue là, non. Toi, lui, à coup sûr, il a un Pokémon pas cool du tout, mais bon, on va voir. Bonne équipe équilibrée. Oui, ouais, j'ai essayé de faire à peu près ce qui me semblait pas mal, quoi. Au final, ça rend plutôt bien pour le moment. Et puis, le hasard des choses a fait que j'ai pas mal de méga évolutions dans l'équipe, donc c'est plutôt cool. Au final. Donc voilà. Je devrais sortir Luxio. J'ai l'air Luxray, mais toujours pas. Hein. Ouais, finalement, on en est assez bas dans l'aventure. Ouais, vous me direz, on a que deux badges. C'est vrai qu'on est très très loin de la fin en fait, mais la grosse pause m'a donné l'impression qu'on en était plus loin, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que je prends assez mon temps pour le moment, surtout que c'est pas la version que je connais le mieux. La version que je connais le mieux, c'est clairement les premières, donc c'est vrai que. Ah, elle, je la connais, mais enfin bon. Hop. Mon Pokémon préféré, c'est Salamèche, Reptinsalé, Dracaufeu. Finsex, bon, aussi, surtout avec son petit chapeau, mais toi, exactement, Krusty. Ah ouais, si vous avez pas vu cette photo sur Twitter, je vous invite à aller la voir, elle est assez mythique. Oui, Stikra, bah c'est bien. Puisque beau, elle s'entraîne. Ouais, un chapeau McDo, ouais, c'est tout un concept. J'ai appris le poussifeu qu'on peut avoir par internet. Ben, j'ai essayé de retirer le cadeau mystère, il m'a dit qu'il n'y en avait pas, donc non, bon, au pire, je l'aurais par échange miracle. Ou autrement, François m'en fera un neuf, hein, il en a un, lui, donc on s'arrangera de toute façon. C'est pas un grand souci. Prends plus ton temps, plus dans le live, plus c'est cool. Oui, c'est vrai, je sais que vous. Souvent j'ai peur de me dire, ah, ça va être inintéressant et tout. Puis à chaque fois je vous demande, ça va? Non, non, c'est nickel. Bon, d'accord. Sur Zelda Wind Waker, c'est pareil. Des fois j'ai l'impression de prendre grave mon temps, de pas avancer. Vous êtes là. Ah, mais t'es passé à côté de plein de trucs, tu vas trop lentement. Bon, ok. Enfin, tu vas pas assez lentement. Bon, très bien. Pourquoi pas. Est-ce que je ferai un let's play sur Y? Alors déjà, il me faudra un capture board. Il faudrait que je chope. Ensuite, il faudra que je vous fasse la cinquième génération. Il faudra que je vous fasse la cinquième génération bis, comme j'ai tendance à l'appeler, c'est-à-dire noir 2 et blanc 2. Et une fois qu'on aura fait tout ça, si j'ai mon capture board, je vous ferai Y, ouais. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je recommence ma version. À moins que ça se trouve, d'ici là, il y aura des émulateurs qui seront sortis. Émulateurs 3DS, oui, ça va arriver, de toute façon, à un moment, ça arrivera, les émulateurs 3DS, sûrement. Juste qu'on n'aura pas la 3D, mais bon... Ouais, donc on verra, mais oui, je pense que dans l'idée, je vais essayer de vous faire toutes les versions une à une. Pour être sympa. Ouais, je sais que sur Wind Waker, parfois je fail un peu, mais bon. C'est marrant. Un caillou. Bon, ça, on s'en sort plutôt bien. Et on s'en sort. On n'est même pas rentré dans la grotte pour le moment. Est-ce que j'ai des. Pas d'huile, je crois, sûrement. Je suis grave en manque d'objets. Ça se trouve, je vais refaire un aller-retour au centre Pokémon pour être en forme pour la grotte. Vous me direz, j'ai Boscara derrière, mais bon. Ouah, au pire, hein. On fera ça rapido. Et pour le moment, on est à un stade du jeu où il n'y a pas beaucoup d'objets intéressants en vente, quoi. Pour le moment, en tout cas. Les modos se chamaillent. Ouais, j'ai vu, ils font l'animation, les modos. Ils se chamaillent gentiment. En fait, c'est pas vous qu'il faut surveiller, c'est eux.
tu mets des gens modo, mais c'est eux qu'il faut surveiller. Justement, c'est pour ça que je les ai mis modo, c'est pour avoir la petite épée à côté, vous savez. Pour savoir au moins ce qu'ils disent. C'est là toute l'astuce. Mon groupe de musique préféré, c'est Skylet. Mon conseil, de très bonne musique. Et les Shiny que j'ai capturés, dans cette version, j'en ai pas capturé, et dans Y non plus. Pour le moment, j'en ai pas vu. Donc, l'objet, c'est quoi? Muscle plus! Super efficace! Et voilà. Il reste un objet ici. Salut! Ah, mince! Donc cet objet, on pourra l'avoir que plus tard. Bon, bah c'est pas grave. Écoutez. C'est pas grave, c'est pas grave. Léo, t'as donné ton McDo? Non, mais on se voit le week-end prochain. On se voit toute la coop ensemble sur Paris à 4. Donc j'espère que Léo me payera mon McDo. Pour le moment, non. Toujours rien. Il va me payer un Happy Meal. Mais je lui ai dit qu'il avait pas géré parce que il y a pas longtemps dans la Happy Meal il y avait des figurines Pokémon. J'ai dit non mais attends, il fallait me le payer à cette époque-là. Là c'est maintenant, c'est pas la même saveur. Mais bon, c'est pas grave. Tu veux bien dégager mes Ditika s'il te plaît? Non, pas détection. Commence pas. Se capter sur un appareil M5 ça va être chaud parce que là j'y reste vraiment pas longtemps et j'ai déjà tout programmé quoi. Donc ça va être très très chaud ce week-end là malheureusement. Petite météore. Il y a un léger décalage avec toi et le chat. Ah bon? Je sais pas, moi je vois ce que Twitch m'affiche en temps réel quoi, donc bon écoutez. Et vous êtes presque 1000 mine de rien pour un live complètement impro. Alors c'est sûr c'est pas comme les 7000 qu'on avait eu un dimanche, mais pour un live complètement impro et à cette heure-ci, alors que demain pour la plupart vous avez cours, je dis chapeau. Enfin, chapeau ou pas bien, à foutoir, mais non chapeau quand même. Allez maintenant on est 700. Il suffit que je dise ça pour que. Pfff. Non je joue pas sur DS, je joue sur émulateur. Allez zou. Goodbye. Bien, parfait. Du coup... déjà, est-ce qu'il me faut flash dans cette grotte? Ah, ok, il me faut pas flash. Donc on va vite faire les régène, comme ça au moins, voilà. Ça prend 2 secondes, vous n'avez rien vu. Vu que c'est juste à côté. C'est moi qui suis maniaque, j'aime bien avoir mes PP à fond. Pourquoi tu déménages sur Paris? C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Et parce que... si je dois déménager sur Paris, ce sera... pour raison professionnelle, on va dire. Je peux pas vous en dire trop pour le moment, mais... c'est pour des bonnes raisons. Ne vous inquiétez pas. Parce que franchement, pour me faire monter sur Paris, faut y arriver. Faut y arriver pour me faire monter sur Paris. Donc, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas avant l'année prochaine, si je monte, ce qui n'est pas encore sûr. Donc, génial, on va croiser tous les racailloux et nos Nosferatu de la Terre. J'ai rien dit. Un Meditica, ok, mauvaise langue, bon. Tu arrêtes pas de déménager? Bah non. J'ai déménagé il y a 1 an et demi. Enfin, je suis parti de chez mes parents il y a 1 an et demi. Et après, qu'est-ce qu'il veut lui? Bon, je termine juste, et après j'ai déménagé il y a 1 mois, c'est pas tout le temps. Une théorie veut que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aura jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait, il met le monde en péril. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Eh bien, salut, déprimé de la vie. Bon, alors, vous savez quoi, là, situation de crise, je sais que j'avais dit que non, mais la situation de crise, que Notor, il va prendre avec la troc. Parce que, là, on va en avoir besoin, quoi. Vu que Notor, c'est le Pokémon qui peut tout apprendre. On va t'enlever boule armure. Hmm.
Lysandre numéro 2. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu Lysandre numéro 2, ouais. Ouais, j'ai ma petite idée de qui c'est, lui. Je me souviens plus exactement, mais j'ai quand même ma petite idée de qui c'est. Juste là, il y a quoi? On va partir. Ah, on va partir là à droite d'abord. Super, le Nosferati. J'ai pas une repousse. Ce serait utile. J'aime pas les Pokémon dans les grottes. Vérifions, est-ce que j'ai pas... Ah non, je me trompe de touche. Est-ce que j'ai pas des repousses? Eh mince. Bon bah c'est pas grave, on va faire 100. Y'a quoi là? Je vais ressortir à un endroit, je sais pas où. Oh là, oh là, oh là, je suis en train... Je trouve que c'est juste un raccourci. Ouais, je sais qu'il appartient à... Ouais, je vais pas dire, là, il y a quelqu'un dans le chat qui vient de me dire qui c'était, mais je sais, je me doute bien que c'est lui, oui. Mais bon. Nous ne dirons rien. Hé, hey, j'avais pas dit que j'attrapais un peu tous les Pokémon que je croisais. Parce que le Medic, oh, bon. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Il y a que Dortos qui est calme. Exactement, bah oui, bah Dortos. C'était le modo qui était là au début, lui, c'est là. C'est le modo, modo de toujours. C'est le modo pompier un peu, genre t'es là, tu fais ah, merde, j'ai pas de modo pour mon live. Dortos, ouais. Oui, patron. Un peu Dortos, ça. Et du coup, il est là. Dortos représente. Si, si, aïe, aïe, aïe. Bref. Je suis en forme, ça me fait plaisir de revenir sur du Pokémon un peu. Fait toujours du bien. On va peut-être switcher un peu sur Boscara là parce que... Non mais arrête de te tromper de touche. Parce que Boscara il est un petit peu laissé à l'abandon et c'est quand même mon starter et tour vol, on sait pas pourquoi il est 24. Oui, on sait pourquoi il a fait l'arène en fait. Ok, autant pour moi. Juste, là ça mène où? Est-ce que c'est la bonne route que je... Ok, alors juste avant de sortir. Est-ce qu'à gauche il y avait quelque chose ou c'était juste moi qui ai trouvé un raccourci en fait? Ah, un carillon. Oh. Ah non. J'allais dire, j'ai retenu son nom à lui. Un Corillon, c'est pareil. Ah ouais, non, mais je peux pas l'attraper si je veux de l'XP. Merci Pokémon Y. Parce que dans Pokémon Y, t'as un truc... Alors, génial ou pas, vous en jugerez, mais un truc nouveau, c'est que quand tu attrapes des Pokémon, t'as de l'expérience. Ce qui te permet de up très très vite. J'ai mangé quoi ce soir? Des légumes avec de la viande. Tout banal quoi. Ah, s'il te plaît, non, te fais pas avoir par les petits piou-piou. Voilà, merci. Ah, mais alors toi. Ah non, ligotage, ça va pas le faire. Hein. Allez, s'il te plaît. Voilà, merci. Perfecto. Prenez une photo de vous quatre. De qui? Ah, de nous quatre quand on se voit la semaine prochaine. Oui, vous inquiétez pas. Ok, il y avait rien d'autre, c'était juste un raccourci et je me suis fait avoir. On va switcher parce que là, enfin on va switcher. On va se casser. Fuite impossible. Genre. Mais quoi, fuite impossible? T'es sérieux là? Mais mange-toi. Enfin, ça va rien te faire, tu me diras. Mais oh non, en plus il fait détection. Il y a Bakayumi. C'est qui? Gris tout ça, là, c'est qui? Il y a un décalage de presque minute entre le chat et le live. Ah, peut-être, je sais pas. Bon, bah. C'est Twitch qui a peut-être un peu des soucis ce soir. À free, d'accord. Et alors, enfin, je veux dire, pourquoi vous me dites tout ça d'un coup? Je comprends pas. J'ai même pas vu son message. Bizarre. Bon, mais il va finir par me tuer cet enfoiré là. Je peux pas fuir contre un. Ouais, ouais, il a une vitesse trop faible, c'est ça. Thank you.
Bien, on va peut-être sortir de cette grotte. Donc pour ça, parce que j'ai du mal à. Voilà, comme ça. Allez. Ah non, mais c'est pas vrai quoi. Tu te fous de moi. Machoke, ça va. Au pire. Bon là, ça va. Hop, excusez-moi, j'étais en train de checker le téléphone. Donc. Marseille est trop léger, what the fuck? C'est bizarre des fois. Stefano, tu me réponds pas une dernière fois ou je me désabonne de YouTube, ok? Vas-y, désabonne-toi s'il te plaît. Merci. Les abonnés comme ça, non merci. Genre qui me gueule dessus. Je fais pas exprès de pas répondre à tout le monde, hein. Je peux pas répondre à tout le monde. Donc, arrivederci, Charlie. Super potion. Utiliser. Voilà. Parfait. Je suis où là sur ma route? Par rapport à l'endroit où je demande. Utiliser. C'est quoi le... C'est quoi ça, ce qui bouge là? C'est un légendaire... Non, c'est pas un légendaire. Vous pouvez me dire ce que c'est? Ce petit point qui bouge, ça représente quoi? Alors, je vais actualiser le chat parce qu'apparemment vous me dites qu'il y a un petit décalage, donc comme ça je sais la réponse tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce point? Réponse Zézé, mais non, c'est pas Zézé. Non, je pense que vous parliez pas de ça. C'est la dernière destination où tu étais, le chemin que t'as fait. C'est ton dernier déplacement, d'accord. Ok, j'ai cru que c'était genre un légendaire ou quoi qui était affiché. Je fais wouah, trop bien. Bon, bah tant pis, on s'est fait avoir. Hello, du coup, c'est bien, on y XP pas mal là. Cailloux. Je veux pas envoyer genre des onyx ou des gravalanches, des trucs qui rapporteraient de l'expérience un peu. Des trucs sympathiques. Mais non, visiblement, il a pas envie. C'est pas grave. C'est un pont, chemin parcouru. Ouais. Alors, il y a un débat dans le chat pour savoir qui sont les liens entre les Parisiens et les Marseillais. Alors là, les gens, vous faites fort. Là, on sait tous que c'est le Marseillais, évidemment, mais après, on va pas non plus le griller sur tous les toits, on est modeste, n'est-ce pas? Non, je déconne. Non, je rigole, vous engueulez pas pour ça, les gens. On choisit pas où on est, hein, malheureusement pour eux. J'arrête de troller. Je rigole, les gens, vous vexez pas, je rigole. Je taquine. Bon, bah, il va passer niveau 23, c'est bien, on augmente petit à petit. Dégueur, c'est ça. Les Corses, les Congolais. Il y a des Congolais qui me suivent? Sérieusement, il y a des Congolais qui me suivent? C'est énorme. Salut le karatéka, là tu vas m'attaquer avec un Pokémon méchant. Hop, vitesse plus, super utile. Et toi, voilà, vas-y. De toute façon, en fait, sur la carte, vous avez vu, il y avait un carrefour. Je pouvais soit monter, soit aller à droite, mais j'ai l'impression qu'en fait, dans les faits, pour aller en haut, il fallait passer par l'autre partie de la grotte que j'ai pas pu atteindre. Donc, je pense que de toute façon, notre route est toute tracée. Il faut aller à Unionpolis. Je suppose, en tout cas. Bon, on va se foutre de ta gueule, Stefano, quand tu seras parisien. C'est pas parce que je vais vivre à Paris que je serai parisien. Je serai marseillais, je suis né à Marseille. Je vais pas devenir parisien du jour au lendemain. À ce moment-là, quand je vais en Suisse, alors je suis suisse pendant 2 jours. Vous voyez? Si je monte à Paris, c'est uniquement pour le boulot, clairement pas pour la ville, je préfère vous le dire.
Je vais pas me faire des amis, moi. Je vais pas me faire des amis. Est-ce que tu joues à Clash of Clans? Nope. Ça me tente pas, ce genre de jeu. Comment? Oh non, mais je peux pas. De toute façon, il me faudra surf. Bon, je spoil un peu, mais on pouvait se douter qu'il fallait surf par ici, quoi. Ah bah voilà, il y en a un qui a un Onyx. C'est plutôt pas mal ça. Enfin des Pokémon un peu... Juste pour savoir là, à Union Police il y a le troisième badge. Ou pas. Parce que Union Police ça a l'air d'être un peu le... Le Safrania de cette version si vous voyez ce que je veux dire. Ou l'Illumise de cette version si vous voulez. Genre le gros truc. Si je m'en fie à la carte. Hein. Non, elle sera pas là. Oui, le sixième badge. Ah, ok. Super. Non, pas Union Police. Bon, très bien. Génial. Donc, ce sera pas pour ce soir, le troisième badge. À mon avis, ce let's play va battre en termes de durée mes deux autres en live sur Pokémon. Bizarrement, le let's play sur Ruby a duré... Alors, je sais plus, ça fait jamais en dessous... Ça fait entre 10 et 15 à chaque fois, en termes d'épisode. Juste là, il y avait quoi. Mais bizarrement, le let's play sur Ruby, où pourtant il y a, entre guillemets, que 8 badges, a duré plus longtemps que le let's play sur Argent, où il y en a 16. C'est curieux. Mais bon. Alors celui-ci, je sais pas. Est-ce qu'il va durer plus longtemps? Wow! Un castorneau, carrément. Est-ce qu'il va durer plus longtemps que Ruby? Ça, c'est de la question. Ah, et la réponse, je sais pas. On verra bien. Combien il y avait eu de... Faudrait que j'aille voir dans mes playlists. Combien il y avait eu... Tortos, si tu m'entends par texto, tu peux me... Enfin, par texto. Peux-tu me rendre un petit service? Est-ce que tu peux aller voir dans mes playlists de ma chaîne et me dire combien il y avait d'épisodes sur Pokémon Argent et combien il y avait d'épisodes sur Pokémon Ruby? J'aimerais bien savoir, s'il te plaît. Si ça t'embête juste pas. Merci beaucoup. Comme ça au moins je vais savoir. Et il me semble effectivement qu'Argent était plus long. Enfin, le jeu paraît plus long, mais finalement ça m'avait pris moins de temps que. Que Ruby. 298 points, oui. Salut. Tu veux combattre contre moi? J'allais participer à un concours. Oui, c'est ça, allez. Viens te battre. Ça y est, les modos font doudou. Tortos d'or. Ah fuck. Eh ben tant pis, j'aurais pas ma réponse. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est bon, je me suis désabonné de Siphano. Franchement, vaut mieux le prendre à la rigolade. Bah bonne route à toi, ami Théo Pesé. Bonne route quand même, quoi. Ruby 13 et Argent 14. Ah ouais, vous êtes sérieux? Ah bah alors je vous dis une bêtise, vous voyez. Argent a duré un épisode. Ouais, enfin bon, un épisode de plus pour 8 badges de plus, pas non plus. En sachant que là on est à l'épisode 5. A voir, qu'est-ce qui va durer le plus? Ah non, j'aurais dû changer, je suis bête, j'aurais dû envoyer Tourvol. Ah attention, la réponse de Dortos. Ruby 15 et Argent 14. Ah bon bah. Alors, il y a soit un abonné qui s'est planté, soit c'est Dortos qui s'est planté. Ouais, 20 Pokémon Bleu, mais Pokémon Bleu, c'était pas en live. M'en voulez pas, je vais plus faire confiance à Dortos. Je pense comme ça. Ah, attendez, maintenant il me met un 13 par texto, donc en fait, non, je vous fais confiance à vous. Donc ouais, ça doit être ça, un Ruby 13, du coup, et Argent 14. Ouais, tout le monde me confie en 13. Fail de touche, ok, merci Dortos. Donc effectivement, donc Argent a duré plus longtemps. Ah ouais, bah voyez. Ce qui est logique finalement, au final, mais... Finalement, au final, oui, tout à fait. Mais... Un épisode, je sais pas. Alors, est-ce que Pearl durera plus longtemps? Est-ce qu'il se calera comme les deux, là? Je sais pas. On verra bien. On a tout le temps de voir. Ça finira dans ces eaux-là, de toute façon, je pense. Si à l'épisode 5, on a que deux badges... Ça finira dans ces eaux-là. Vous avez battu Aroma Marissa. Marissa, c'est pas le nom de la copine à Arc. Comme ça. Non mais sérieux, t'es sérieux là, me... Oh. Ah, quelle odeur! Pourquoi tu mets pas ta cam? C'est vrai que à la place du Pokémon version Perle, un de ces quatre, je pourrais intégrer
ma cam. On fera peut-être un épisode en facecam, ouais. Pourquoi pas. Effectivement, c'est vrai. En plus, le facecam est quelque chose que j'aime de plus en plus. C'est limite si j'ai pas envie de le mettre sur plus en plus de vidéos, quoi. Donc, je sais pas. On verra. Mais ouais, je vous ferai sûrement un épisode spécial en facecam. Y'a pas de soucis. Hop. Je récupère toutes les baies. Ici, on doit pouvoir se reposer, non? À tous les coups. Maison du maître des baies. Ah non, on doit pas pouvoir... Ah, baie gratuite, quand même. Baie gratuite, tu dis? Apparemment, tout le monde m'appelle le maître des baies. Chaque jour, je distribue des baies dans l'espoir que les gens réalisent à quel point elles sont formidables. Tiens, tu la mérites. Baie goyave. Merci. Et viens là, toi. Es-tu du genre tête en l'air à oublier où tu as planté tes baies? Bah, je les plante pas, donc on va jouer, bah oui. Je le savais, je suis comme toi, je sens des affinités avec toi. Tiens, prends ce logiciel pour... Sérieux? Comme ça, elle me donne ça à l'encou. Le contrôleur de baies signale les baies mûres sur une carte. Bref. Franchement, je sais pas pour vous, mais... Bah, attends, quoi? Du fertilisant. Non, merci. Je sais pas pour vous, les amis, mais... Je bois un coup. C'est mine de rien, force. Les baies, c'est vraiment le truc que j'utilise. Je me suis pas soigné, génial. Le truc que j'utilise jamais, perso. Mais vraiment jamais. Très rarement, en tout cas. C'est pas quelque chose que j'utilise. Je les replante pas et tout. Monsieur Mime. Ah non, Mime Junior. Et sinon, je suis en train de penser, j'ai vu juste en dessous, il y avait un arbre. Avec, vous savez, le coup de boule, là. Non, pas coup de boule. C'était quoi l'histoire de l'arbre? Oui, il fallait mettre du miel sur l'arbre et ça pouvait ramener un super Pokémon. Et je suis pas allé vérifier, en même temps, j'étais pas du tout dans la même route. Donc on va peut-être essayer sur cet arbre aussi, éventuellement. Yeah. Et j'ai toujours pas vérifié pour les souterrains, parce qu'il paraît que ça fait planter le jeu, machin. J'ai toujours pas essayé, je suis désolé. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine fois, c'est promis. Donc voilà, je vous le dis. J'essaierai de faire ça pour la prochaine fois. Manzai. Je bois de l'eau, tout simplement. Tu es riche, Sif. Sur Pokémon, ouais, sûrement. Ouais. Non, parce qu'en vrai, c'est pas tout à fait le cas. Vous êtes sérieux, là, à parler de poissons et tout, là, pour Marseille et Paris? Vous êtes toujours en train de nous engueuler par rapport à ça, les gars? T'es à côté d'un Pokémon légendaire. What? Ouais, que je peux pas avoir maintenant, alors. On a deux badges. Nous allons nous calmer. Je pense que je suis en retard en termes de niveau. Ou alors non, je suis dans le rythme. Mais je me souviens une fois, cette zone me parle pour un truc. Je me souviens que la première fois que j'ai joué, j'avais déjà pris Tortipousse. Et à ce stade, j'avais la dernière évolution de Tortipousse. Je m'en souviens, il avait évolué dans ses herbes. Ça, c'est un vieux souvenir. Mais je pense que j'étais clairement en avance. Là, ouais, non. On y va tranquille. Antipara, utiliser. Merci. Et on va utiliser un... Non, on va utiliser, bah voilà, je n'utilise jamais des B, donc... B. 10 PP, 10 PV, allez hop, B au rang. Non, ah, je me plante à chaque fois. Utiliser. Ouais, ok. Et on va utiliser une... Une potion... ouais, une potion, ça suffira. En sachant que j'ai toujours pas... Oh, les deux potions, on est des fous. J'ai toujours pas utilisé tout ce qui est CT et tout, on verra plus tard, vous inquiétez pas. Voyons voir combien j'ai d'argent. Ouais, je suis riche, ouais. Effectivement, c'est pas trop mal. Donc, est-ce qu'il y a... Ah, il y a un type, là. On va se le faire, d'abord. Ah, il veut pas m'attaquer. Ne dis rien. Tends la main, c'est à toi. Clé de voûte. What? Clé de... Dans la poche, objet. C'est pas un objet rare, du coup, mais... C'est quoi? Objet très important qui empêche une tour en pierre de... S'écrouler. What the fuck? Ok, je la garde. On verra plus tard si c'est quelque chose d'intéressant. Allez, étale du miel, vas-y. Du miel a été étalé sur l'arbre. Voilà, bon là, ça puait l'objet. C'est pour Spiritombe. Allez, vous êtes sérieux là? Tout le monde m'a crié que c'était pas possible d'avoir Spiritombe. Parce que je vais vous faire une confession.
Spiritomb devait être dans mon équipe de départ. Et tout le monde m'a dit, non, il est pas récupérable et tout. Et vous êtes en train de me dire qu'en fait, je peux récupérer un Spiritomb? Bon, c'est trop tard maintenant, j'ai pas fait mon équipe en fonction de Spiritomb, mais bon. C'est curieux. Union Police, on est arrivé. Hello, madame. Quand on me dit Union Police, je réponds tous de go. Concours Pokémon. Oh là 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 là. C'est dur à avoir. Il faut avoir 25 amis, ce qui est impossible sur émulateur. D'accord, ok. D'accord, je comprends mieux. Ok, donc j'ai bien fait de faire ce qu'il fallait. Chaque année, elle est élue ville la plus agréable de Sinnoh. Bah, faites-moi voir ça, j'ai plus du tout de souvenir d'à quoi elle ressemble. Union Police. What? Qu'est-ce qu'ils veulent, la Poreille? Heureusement que tu étais là, sans toi, qui sait où mon Laporeil se sera enfui? Petit Laporeil, tu vas tout de suite rentrer dans ta Pokéball. Je m'appelle Karine, je suis juge du concours Pokémon. Passe à la salle de concours, je te remercierai comme il se doit. Vraiment, Titia? Là, il y a quoi en dessous? Ça mène où? Verchamp. Je peux y aller là ou que dalle en fait? On va y voir, vite fait, je vais aller explorer Union Police, vous inquiétez pas, mais... Ok, ouais, d'accord, c'est bloqué pour le moment. On va les laisser là. Pour avoir Spiritomb, il faut que tu rencontres 32 fois quelqu'un dans les souterrains, que ce soit la personne ou non, après avoir posé la clé de vous sur l'autre. Ok, ouais, différentes versions, mais dans tous les cas, ça a l'air chiant et chaud, voire impossible, donc on va oublier ça. Tu es un dresseur, n'est-ce pas? Tu as le choix entre deux compétitions, l'arène ou les concours? Ah bah, moi, je veux l'arène. Avant les concours, je vous le dis, les amis. Même si, bon, le concours, on pourrait le tenter, mais... Route 209, Bonville. Salut, salut, est-ce que tu veux un œuf de Pokémon? Ouais. Ouais, attends, je vais aller me vider les poches. Qu'est-ce qu'il va me donner, lui? Je visite la ville, mais à l'origine, je viens de la région de Hoenn. Je voulais traverser la salle de concours, mais j'ai perdu ma route. Heureusement, les gens du coin ont la gentillesse de m'indiquer le chemin. Veux-tu que je te guide jusqu'à la salle de concours? Non, non, c'est bon. Ah, quoique. On va dire oui pour une raison, c'est que des fois ils nous offrent des trucs après, donc on va dire oui. Tant pis. C'est Petit Ravi le Pokémon? Ah, y en a qui me disent que c'est Petit Ravi, y en a d'autres qui me disent que c'est Riolu. C'est Petit Ravi dans l'œuf, ok. Vous êtes partagé. Non, Riolu, c'est après, je crois. Bon, pff, écoutez, on va aller le prendre quand même, mais on va explorer tous les trucs d'abord. Pokémon utilisant une Pierrot, super, y'a quoi ici? Il y a peut-être des choses intéressantes. C'est quoi? On est où là? On est dans une école? Non, même pas. Oh, ils ont l'air déprimés, les gens ici. Y'a plus de musique, y'a plus rien. Ils ont l'air ultra déprimés. Ces petits ravis, ces petits ravis, petits ravis, Riolis sur l'île de fer, c'est ce qui me semble effectivement aussi. Enfin, je sais plus le nom, effectivement, ça doit être l'île de fer, mais je sais que Riolu, on peut l'avoir plus tard. J'ai hésité aussi à mettre un Lucario dans mon équipe. Puis finalement pas, j'ai voulu faire un truc un peu plus original, c'est pour ça que j'ai adapté mon équipe en fonction. Vous pouvez cuisiner vos baies pour en faire des puffins. Alors, les puffins, si c'est comme dans... Tu me dis Dortos par texto? Tirovi, Riolu sur... Ok, ouais, donc Dortos me confirme ça. C'est pratique, il fait modo, en plus il fait conseil. C'est plutôt pratique. Les puffins, il me semble que c'est pour les concours en fonction des baies qu'on mixe. Ça augmente la beauté, le charisme ou je sais plus quoi, enfin... Les trucs de beauté, mais ça je le fais pas du tout. Je veux bien faire un concours les amis, mais on va pas tenter d'en gagner un. Juste, qu'est-ce qui me donne pas des trucs? Une somme identique. Une bonne baie, c'est l'ingrédient clé. Ouais, 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 ouais. C'est une église. C'était une église? C'était une église? C'est une église, effectivement. Oui, 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 oui. C'était. Oui, bah oui, pourquoi pas, en fait, oui. Effectivement. Bienvenue, acheter. Alors, mon gars. Oh, ça, je vais t'en acheter plein. J'en ai marre. Je t'en ai acheté 15. Voilà. 15 rebouches, je suis un fou. Et le reste, on va t'acheter pas mal de super, 15. On va t'acheter des antidotes. On fait le stock, là.
et des antiporas. Et il me reste 15 000 qu'on va claquer en Pokéballs. Non, ça sert à rien. Qu'on va claquer en... Franchement, ça peut toujours servir. Voilà, et le reste on garde. On va garder un petit peu d'argent quand même. Hein. On n'est pas non plus totalement fou. Donc... Non, je ne bannirai pas Dortos, Croustillette. Croustillette veut que je banne Dortos. Elle est folle. Avez-vous du temps pour faire une interview rapide? Vas-y. Puis j'ai leurs impressions sur votre Boscara. Ah non, c'est pas... Oh non, c'est ça, j'aime pas. Boscara, ouais, question chez Dispolites. Aïe. Voilà. Ce que j'en pense de mon Bocta. ça sera diffusé très prochainement. Alors allumez la télé, regardez-la. Ouais, j'y manquerai pas, ouais. Toi, qu'est-ce que tu veux? Le président du fan club. T'as pas une bicyclette pour moi? Hein, c'est pas cette version, dommage. Vous me direz, j'ai déjà une bicyclette. Ouais, vous voyez, il est peaufine, donc il deviendra plus gracieux, etc. Je déclare très facilement que cette boîte peaufine est pour toi. Évidemment, il en fallait une, sinon on n'aurait pas pu faire. Il a menti, j'ai pas dit ça. J'ai le texto à l'appui, les gens. Enfin. On me dit des choses bizarres par texto. C'était fou. C'est long de tout explorer. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire dans cette ville pour le moment? De toute façon, je peux pas sortir. Tout est bloqué, donc... Faut que j'explore. On verra bien. Oh non, t'es sérieux? Ça peut monter? Bon, ben, on monte. Alors, bonjour. Grelocoque. Grelocoque. Oui, c'était l'humour, hein. C'était l'humour qui a fait croustille. Vous hein. S'énervez pas contre elle, les gens. On respecte la reine. Grelocoque. Restaure un peu les PV du porte. Oh oui, c'est... mais ça, c'est génial. Ça, c'est le truc que tu mets un Levénard, mais qui est invincible. Déjà que le Levénard a une défense de malade. Oh, mais alors ça, je le donne. Qu'est-ce qui tient, Boscara? Qu'est-ce qui tient, Boscara? Objet. Prendre. Vive Griffe, ouais, non mais. Grelocoque, mec. Grelocoque. C'est trop bien. Ça, voilà, là, ici, il y avait un super truc. C'est une ville de merde. Non, 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 on a eu un Grelocoque, c'est pas une ville de merde. Plus de bonheur de ton Pokémon pour le petit ravi. Bon, je m'en fous du petit ravi, honnêtement. On va aller le prendre et tout, d'accord, mais bon, voilà quoi. Je pense qu'il va finir au PC, ou alors on va essayer de vite fait le faire éclore. Histoire de... Ah! Mais... Mais vous m'avez dit une bêtise! Mais... Ah ouais, non, non, ok, vous avez pas dit une bêtise. Elle n'est pas là. J'y suis quoi, vas-y. Bon, je vais me faire défoncer, tu me diras, mais ça va, ok, bon. Là, on se casse, donc on va pas y aller tout de suite. On explore tout. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose... Elle est trop grande, cette ville. T'es un dresseur Pokémon. Ouais. Tu m'offres rien parce que je suis un dresseur, genre je t'impressionne pas, t'as pas envie de me faire plaisir et tout, non. Non, toi, si je te parle deux fois, non, t'auras pas plus. Tant pis. Oui, je vais aller chercher l'homme, t'inquiète pas. Ouais, en même temps, vous avez raison, j'aurais dû aller le prendre direct, comme ça, tous les déplacements que je fais, là, ça aurait fait des pas en moins. Mais bon. Salut, on raconte qu'Union Police est idéal pour les enfants, mais je proteste. Ok. Et offrez-moi quelque chose, genre une Master Ball. Ça vous dirait pas une Master Ball là comme ça? Non, non, évidemment ça vous dirait pas une Master Ball. Bon, te radant. Allez en enfer. Hop. Alors pour ceux qui se demandent, le live finit dans à peu près 40 minutes. Parce qu'on a commencé vers 23h10.
Donc voilà. Bon, on a tout vu là, hein, je crois. Ouais, on a tout vu, hein. Donc, on va dire qu'on a tout vu. Déjà, on va aller se soigner. Faut rentrer dans le bâtiment du concours pour débloquer l'arène. D'accord. Est-ce vrai? On va dire que oui. On va stocker un Pokémon. En l'occurrence, on va déplacer. Ah ouais, en fait, j'ai une sacrée boîte, quoi. Paye ta boîte. Allez, pour mes Queenotor ici. Juste le temps d'aller chercher le petit Ravi. Ouais, j'ai eu grave espoir là, oui, vous avez raison. J'y ai tellement cru. Je me suis dit, oui, mais voyez, en fait, on peut rentrer dans l'arène, Eben. Petit Ravi, donne-le-moi. Ouais, je veux un œuf de Pokémon. Mais n'empêche, les types dans Pokémon, ils sont chelous. Ils te filent des trucs, genre tu les connais pas. Oh, tiens, vas-y. Salut, tu viens d'entrer chez moi par effraction. Tiens, un gros Grelocoque. Merci. Enfin, c'est tellement énorme de fois. Wow, la coupe! Oh, mec! C'est pas grave. Qu'est-ce qui reste à explorer ici? Comment je rentre là-dedans? Mais c'est elle la championne. Elle a une tête de championne. Je suis so sorry! Vraiment, je ne sais plus où mettre. Tu comptes participer à un concours? À fun, surtout. Ah, je me rappelle, elle, ouais, elle est mi-anglais, mi-. Ouais. Le hasard veut que Chimera, le champion d'Aninopolis, soit also une bête de concours. Maybe tu te demandes comment je le sais. Eh bien, je suis Chimera, sans blague. Tu dois attendre avant de me défier. Tu dois d'abord devenir plus strong. Ensuite, nous pourrons combattre. Saloperie, ouais. Plus strong, j'allais te péter la gueule, tu vois. Et maintenant, je peux pas essayer d'aller l'affronter, non, juste comme ça. J'imagine que toujours pas. Non, tu vas me dire qu'elle est toujours pas là. Eh, tu sais pas me dire précisément où elle est. Hein. Pourtant, moi je l'ai vue, hein, mais non, elle est pas là. Bah, d'accord, ok, elle est pas là. Ok, elle est pas là. Très bien. Alors, ça mène vers où là? Porte S du square paisible. Promenez vos Pokémon. Ouais, et ici? Porte Ouest. Ok, donc il faut que j'aille dans le square de toute façon, j'ai l'impression. Hein. Il me reste quoi comme maison que je peux explorer? Il me reste que la maison verte en fait. Donc on va vite fait l'explorer et on aura tout vu. Alors, merci à Dortos qui s'en va. Merci pour avoir modéré une partie du live. Et à bientôt, Dortos. Youhou, tu es un dresseur, donc tu utilises des boîtes Pokémon. Ah oui, c'est elle qui les a créées. Oui, Amel. Les boîtes du PC, c'est moi l'administrateur système. Ouais, et alors, t'as pas quelque chose. Mon copain Léo. Léo le Pokémaniaque de Pokémon bleu a développé les bases de si. Bah oui, c'est lui. J'ai modifié 2-3 bricoles pour le rendre plus facile d'utilisation. D'accord. Ouais, je rachète tard le soir, vous avez raison. Bon, là on a tout exploré, donc on se casse. On va là. Salut. Square paisible. Pikachu, Mélofée, Psycho, Pachirisu, Petit Ravi, Lapourey et Beaudrive. Mais c'est sérieux? Je peux pas passer tout seul? Faut que j'attende que le Petit Ravi les close? Ok, donc c'est pas là ma route principale. Mais alors je dois aller où? J'avais déjà marre de ce vide. Ouais, peut-être que j'allais essayer de faire un concours. Hein. Ouais, on va essayer d'aller faire rapide un concours. Ça va peut-être débloquer des trucs. Ah oui, possible. Oh mon ange gardien, oui. Bonjour Julien. Ah c'est la mère. Ah c'est notre maman. Pas possible Ingrid, c'est ta maman? Tu dois t'y connaître en concours. Oh je n'en sais rien, je n'ai jamais parlé des concours. Et comment elle est arrivée là elle? Alors qu'on n'est pas censé passer dans les hautes herbes. Comment elle est arrivée là? Je vous jure, y a des problèmes des fois. Je suis surprise que vous vous connaissiez. C'est vrai, j'oubliais, je dois te remercier pour tout à l'heure. Prends cet accessoire. Poudre luisante. Coffret mode. Waouh. Si tu n'as pas confiance en toi, nous proposons aussi des entraînements. Honnêtement, je m'en fous, je veux juste tester pour dire que voilà, et puis... Ça t'étonne de me voir ici, je m'ennuyais, alors j'ai mis les voiles pour prendre des vacances à Union Police. Tranquille, la vieille. Je suis vraiment surprise de te voir, mon poussin, pardon. Si tu comptes vraiment participer au concours, tu dois changer de tenue. Eh oui, les gens...
C'est pas dans Pokémon Y qu'il y a eu l'innovation des nouvelles tenues. C'était déjà incorporé dans Pokémon Perle. Ah bah oui, je suis désolé. Je parie que ça tire à merveille. Vas-y, je peux le mettre. Je vais mettre ton smoking là pour voir. Moi, juste pour le smoking, j'ai envie d'essayer les concours. Salut! Non, 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 non. Non, non, je veux pas m'entraîner, moi, je veux direct aller au concours. C'est ici. Des super concours, Link. Mais non! Mais alors, le truc du milieu, je peux pas y aller? Vire de là, toi. Tu comptes inscrire au concours? Tu as la boîte Peaufine? Très bien, laisse-moi t'offrir ce Peaufine. Ok, merci. Il faut que je lui fasse manger un Peaufine. Ouais. La boîte à Peaufine, elle est où? Boîte Peaufine, ouvrir. Peaufine doux. Donner à... Qui est le plus mignon? Luxio, c'est un chat. Voilà, on donne à Luxio. Et ça va augmenter quoi? Ouais, ça augmente le speed. Son sang-froid a augmenté, sa beauté a augmenté, sa grâce a augmenté, son intelligence a augmenté, sa robustesse a augmenté. Parfait. Eh ben écoutez, on va essayer de se faire un petit concours rapide. Pour les super concours. Ouais, je vais inscrire un Pokémon. On va commencer par normal, hein. Sang-froid, il a dit, ça avait augmenté, ouais. Je vais choisir un Pokémon. Bon, on va t'envoyer Lucio. Comment ça, l'œuf, il est pas apte? Pas normal. Numéro d'inscription est le 4. Le concours va bientôt débuter. Allez, c'est parti, les amis. On va pas y arriver parce que sur ce genre de. Chaud. On vient de prendre 10 ans. What the fuck? Bon, bref, pourquoi pas. Ah, mais en plus, on me demande de mettre un smoking. Mais regardez la gueule des autres, quoi. Mais j'ai l'air complètement ridicule au milieu. Bon, super. Allez, bah, voici Lou. Il a qui, Lou? Il dit pas en plus. Mais sur ce genre de concours, à chaque fois, on se fait avoir. Hein. J'ai jamais. Enfin, si, il y a une époque. Sur Pokémon Ruby, en fait, j'avais pas mal. Je gérais pas mal, je m'en souviens. Mais alors, depuis. On va essayer, mais bon. Les concurrents, vous avez 60 secondes pour habiller Pokémon avec des accessoires. Hein? Hein? J'ai pas d'accessoires. Le naturel. Ok, je dois le faire avec la souris. Le naturel. Tiens, vas-y, le naturel. Hop. Une petite queue rose. Et puis c'est pas mal déjà. Ah, on avait d'autres trucs! Vite, vite! Yeah! Des étoiles! Non, pas d'étoiles. Ouais, non. Non. Ok, bah c'est bon. Qu'est-ce que je vous dise? Très bien, merci pour votre patience. Avec éclair. Ah, il est moche, on est d'accord, il est pas beau, il est pas beau avec son champignon. Mais c'est quoi ces horreurs là qu'ils sont en train de nous faire? Le mien, il est trop swag avec ses plumes dans les oreilles. Oula, attention, on a un indien qui arrive. Non, non, je suis désolé, là, tes trucs dans les oreilles, c'est pas beau. Le mien est plus classe. Les gens, on est d'accord que le mien a plus la classe quand même. Je tiens. Le mien est plus stylé. Il faut le reconnaître. Alors, ben, quelle musique, quelle chorégraphie. Mais je connais pas moi tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer. Attends, mais je joue avec la souris en plus. Hein, quoi? Ah non, je joue pas avec la souris. Non, c'est bon. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment ça marche?
ça peut pas être comme dans Pokémon normal là, comme dans Ruby où il fallait faire des attaques. Je suis en train de me faire défoncer. J'ai gagné, vous dites, le concours de beauté, j'ai eu masse de cœur. Ah bah tant mieux. Alors là par contre je suis en train de complètement me faire défoncer la face. Oh là 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 là. En plus je vois ce que c'est les touches mais j'ai du mal. Voilà. Ah ils doivent me suivre. Ah vous avez galéré les gars. Allez-y, suivez-moi. Bon moi je me suis complètement raté par contre, on est d'accord. L'épreuve de danse est terminée. Pour le moment Julien est en tête. C'est sérieux? Comment j'ai pu être en tête là-dessus? Ah voilà le truc des attaques. Entraîne-nous des capacités de sang-froid exemplaires. Oh oui, on a sang-froid là. Allez, étincelle. Toi t'as un cœur là, vas-y prends-toi ça. Trois cœurs, parfait. A fait monter le voltage de Denis. Yeah! Lance-soleil pour Germain. Si personne ne choisit le même juge, plus 3. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le même juge. Hein. Ça va pas le faire sinon. Oh là là, les amis. Parfait. Montez le voltage de Germain. Il faut gérer le truc en fait. Il faut pouvoir faire monter le voltage à fond. Pourquoi c'est moi qui réattaque? What the... Ah mais non, c'est pas le même, c'est pas moi en fait. J'ai rien dit. Ok, va falloir gérer ça. Genre? Oh oui les amis. Mais vous vous rendez compte que je suis complètement nul et que pour l'instant on gagne? On s'en sort plutôt pas mal. Action basique, action basique. Double le score au tour suivant. Peut être intéressant ça, non? Double le score au tour suivant. On va essayer. Sur Denis, on reste sur Denis pour le moment. On va voir. Hein. Lui il n'y arrive pas avec... Ah, parce que si on passe devant un juge... Parle pas à Denis s'il te plaît, parle pas à Denis. Eh c'est bien, il passe pas devant Denis. On va y arriver. On va y arriver, vous allez voir. Vas-y. Chargeur pour Denis. Mince. Et j'ai rien eu. Oh oui. Parfait. Et donc normalement ça doit doubler mes points au tour suivant. Donc si je refais une étincelle, ça devrait me rapporter plus. Ça devrait me rapporter 6. On va retenter. Sinon j'ai pas bien compris. Oh la vache. Oh le type qui vient de se prendre. Faudrait limite, vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse? S'il continue à faire monter le voltage de la fille là à gauche, ou du mec, j'en sais rien, faudrait limite qu'on fasse le moins bon score ce coup-ci pour qu'on attaque en premier sur la fille pour qu'on monte son truc. Enfin je sais pas, attendez. Vas-y. Ah mais du coup c'est déjà sur Denis. Bon, je m'en fous, normalement tu dois me doubler ma capacité si j'ai bien compris. Oh oui. Parfait. Parfait, parfait, parfait.
Bon. Je sais pas si du tout, je sais pas du tout si on va gagner, mais c'est sympa. Alors. J'ai deux cœurs en plus. Ah, l'enfoiré. Il m'est passé devant quand même. Les concurrents au score le plus bas passeront en premier. Combien? C'est le dernier tour. Choisissez votre capacité. Action basique, action basique, action basique. Ah, ouais, bon, bah. Bah, on va sur Denis, il est mort sûr. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va empocher le gros lot sur celle de gauche, hein, je pense. Je sais pas, mort sûr, ça a l'air de faire la même chose. Ah, ouais, mais c'est pas sang-froid, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû laisser parce que l'autre c'était une capacité sang-froid. On verra bien, de toute façon. À chaque fois, j'arrive à me faire enfler sur ce genre de truc, je me dis, ah, je suis pas mal. Et au final, je me fais enfler. Donc, je m'attends à avoir pareil. Genre sur le vote du public ou tu sais pas trop quoi. Vas-y, morsure. Mors-le. On va bien voir, de toute façon. Y a personne qui a osé attaquer celle de gauche. Ah, évidemment pas moi quoi. Ah oui. Il m'adore lui. Hein. Allez, c'est bon là, c'est dans la poche. S'il vous plaît. Les gens, j'espère qu'on a gagné, franchement. Les amis, les délibérations touchent à leur fin. Quel Pokémon va être couronné vainqueur? Je vais annoncer les résultats. Le résultat des différentes épreuves. Alors. Les résultats de l'épreuve de style. Oh, ça c'est moi, c'est obligé. Sinon c'est du vol. Oui. Parfait. Les résultats de l'épreuve de danse. Ça, c'est pas moi. Aïe, 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 aïe. Les résultats de l'épreuve de comédie. C'est moi. On a gagné. Oh oui. Je le crois pas, quoi. J'y connais rien, ce genre de truc, et on a gagné. Trop bien. Bon ben voilà, au moins on n'aura pas fait tout ça pour rien. Merci, merci, c'était calculé. Non, je déconne. Alors, avec notre fabuleux costard, évidemment. Découvrez notre gagnant, Luxio de Julien. Bah merci. J'attends avec impatience le prochain concours. Moi maintenant je veux rester comme ça toute l'aventure, habillé comme ça. Je vous le dis, c'est la classe, c'est swag. Bon, bah parfait, voici votre récompense, nœud rouge. Super, je pourrais mieux le décorer pour la prochaine fois, c'est ça? Ouais. Super, merci, au revoir. Bon. Voilà. Ça aurait été laborieux, mais on aura réussi. Donc, au final, il nous reste encore 20 minutes de live. Faut que je trouve quand même casser de cette ville, moi, maintenant. Ah. Tada! Tu m'as encore fait attendre, Julien. Voyons combien nous avons progressé. Non, 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 il manque un Pokémon, mec, je suis pas d'accord. Quelle enflure. Il me manque un Pokémon. Ah, mais c'est qu'un auteur, on s'en tape. Je me suis fait arnaquer, ouais, comme dit Krusty. Étourmi. Ok. Bon, alors là, va pas falloir se dire, ah, on est plus puissant en termes de niveau en attaque. Non, 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 parce que là, un type vol contre un type plante, il peut me faire mal, on envoie Luxio direct. Donc, là, va falloir vraiment gérer sur les types. Oh, l'enfoiré. L'enfoiré, allez, étincelle. Détruis-moi ce piaf. Oh, gros retour à la réalité, là, d'un coup. Là, t'as gagné le concours. Bam. Combat. Ok, pas de soucis. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que t'envoies ensuite? Buste boué. On va juste le défoncer à partir du moment où on a l'avantage du type. Ça aussi, il y a un truc qui est cheaté dans Pokémon. Personne ne se pose jamais la question, mais pourquoi est-ce que nous, on a le droit de savoir le Pokémon qu'il envoie et pas lui? C'est dégueulasse quand même. C'est-à-dire forcément qu'on gagne, on a toujours un coup d'avance. Bon, après, vous me direz, ce serait super chaud sinon, mais bon. C'est vrai, M5 dit quelque chose de juste, il dit les rivaux commencent à 90% par un type vol, et c'est vrai, dans toutes les versions, j'ai souvenir de Bleu, où à chaque fois il envoie son roux carnage et tout, très souvent.
ou son Roku, sa Azuria, enfin ouais c'est vrai. Pourquoi? Même au début il envoie son Roku avec son putain de jet de sable. Je m'en souviens encore. Enfin bon, ah Grelocoque, ça va être génial. Bien. Chimpanfeu. Ouais, je t'envoie mon Mistebouet. Je peux faire l'arène, vous dites? Ah ouais? Ah ouais, mais je crois que c'est... Bon bah cool, on va aller voir l'arène là. D'abord on se charge de lui. Aquagé. Ah, ça l'a pas tué, t'es sérieux, allez, oh. Roue de feu. Moi aussi, je vais te montrer un truc génial. C'est quoi, guérison? Non, bah, t'es mort, salut. Dans les options, passe le jeu en défini. Ça rendra le jeu un poil plus compliqué. Ah? Pourquoi plus compliqué? J'ai jamais essayé. Vous m'intriguez. Ouais, on change de poké. En défini. Ah, maintenant vous me dites qu'on peut pas faire l'arène. La prochaine arène, c'est Voilà Rock. Défini, tu peux pas switcher entre les phases de combat. Ah non, mais ça c'est nul. Moi je pensais que c'était on saurait pas les Pokémon que l'autre envoie, mais pas switcher. Bah non. C'est. Bah y a pas de stratégie là-dedans, c'est gros bourrin en gros. Là, c'est t'envoies ton meilleur et puis tu frappes. Non, oh non. Du coup, nope. Bon, bah du coup, on l'aura quand même explosé. On va les soigner dans tous les cas. T'as encore mis mon équipe KO, je peux dire adieu à mon rêve de devenir le plus grand dresseur de l'histoire. Et puis non, je vais m'endurcir et progresser un jour, c'est ça, je vais m'attaquer à la reine de Voilarock. Nous avons la réponse ici. À la revoyure, je serai super balèze. Donc, on sait que la reine d'en haut là, c'est pas bon, même si, comme je suis un abruti, je vais quand même aller vérifier, même si je sais que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Donc, maintenant, il faut aller à Voilarock. Donc, ce qu'on va faire pour ça, hop, on va les soigner. Rapide. Et on va partir en direction de Voilarock du coup. Ça a l'air assez loin, je sais pas. Bon alors. Du coup, je peux passer là maintenant? Maintenant, je peux passer là, mais alors. Ce qu'il y avait ici, c'était quoi? Ok, ici, je peux toujours pas passer. Bon, bah, en route pour Voilarock. Ouais, moi aussi, au début, je jouais tout le temps sans changer de Pokémon sur mes premières versions. Mais ce qui me faisait que j'arrivais avec un Pokémon 90 à la ligue et tous les autres, c'était des merdes. T'as rien à me dire, toi? Eh oh, blondinette là. Y'a un pilier en pierre fendue droit devant. Pilier en pierre fendue. C'est-à-dire Union Police. Ah mais c'est un dresseur lui, moi je pensais qu'il donnait des conseils sur la destination ou quoi. Bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il porte? Éleveur Richard. Manzai. Oh. Eh Manzai, c'est un type proche, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Puisque Simulard, bon, c'est un type proche. Donc normalement Trancherbe, tu crains. Hein. Normalement. Siphano en défini, tu peux switcher, mais pas entre deux Pokémon, c'est tout. Ah, d'accord. Et pourquoi je... Ah oui, effectivement, ah, c'est pas du tout la même chose alors. Ah, effectivement. Ça peut être sympa, ouais. Faudrait qu'on teste. Ouais, on va tester ça. C'est pour la clé de voûte. Ah, c'est possible. Oh non, t'es sérieux là? Oh.
Faut mettre la clé de voûte dans le pilier fendu. Ouais, on va faire ça, vous inquiétez pas. La fameuse. C'est bizarre qu'il me l'ait pas foutu dans objet rare ce truc. Ah non, mais la clé de voûte c'est pour Spiritomb, c'est vrai. Ouais. Spiritomb. Au final, j'en ai un peu rien à faire du Spiritomb. Enfin bon. On va quand même le faire. Allez, vas-y. Ah, là, vous savez, là où il y avait les reporters qui bloquaient la... J'ai pas lu, oh, mais... là où il y avait les reporters qui bloquaient la route, je sais où ça mène, en fait. Ça mène vers, si je dis pas de bêtises... Enfin, je vais pas vous le dire, en fait. Je ne dirai rien, mais je sais où ça mène. Un grand manoir, d'ailleurs. Allez, hop, détruis-moi ce... Doux baiser, oh oui, vas-y, embrasse-moi, grand fou. Pardon, je ne sais pas. Non, attends, je suis paralysé et confus. C'est-à-dire que si j'arrive à passer la confusion, je me fais arrêter par la paralysie. C'est, ça va, bien, tranquille. Vas-y, puis charme-moi, rends-moi amoureux aussi. Histoire d'avoir la triple... Le... Oh, mon dieu. Vas-y. Oh, tourvol, s'il te plaît, et tourvol. Le pokémonophile. Poképhile, pas pokémonophile. Non mais c'est fini là? Il va continuer longtemps à faire ça? Allez, s'il te plaît. Si tu te foires, mon gars. Voilà, merci. Merci, au revoir. Phew. Non, sans mal, mais on aura réussi. S'y connaît le Siphano en plus. Un petit peu. Hop. Antipara. Hop. Et ah, il me restait des potions. J'aurais dû acheter des potions, c'est bien pour soigner comme ça. Bon, écoutez, que voulez-vous, maintenant c'est trop tard. Ici, à quoi? Je veux pas voir. Ah ouais, ok. Une Pokéball. Je l'ai. Du miel. Encore du miel. Ouais, je suis un grand... fan de Pokémon, moi. Non, mais il est sérieux, lui? Ouais, mais non. Salut! Alors. Allez, on se fasse. Ah oui! Ah oui! Ah oui, oui! Merci beaucoup! J'allais dire, on va se frapper encore un abruti qui va me dire, tiens, vas-y, si Magikarp. Qu'est-ce que j'ai dit, mince? J'ai dit que je savais pas me servir d'une 4. Enfin, j'ai cru qu'on allait encore se frapper si Magikarp. On va jouer un petit peu avec, parce que vous l'avez pas vraiment vu pour le moment. Avec lui. Et Luxio aussi, qui est un peu à la traîne. Mais on va jouer avec lui d'abord. Ah bah, vous savez quoi? Ah bah, c'est bon. On attaque les petites filles. Enfin, sans mauvais jeu de mots, hein. Ça, on va entraîner les deux, tranquillement. Bonne nuit à ceux qui partent se coucher. Vous avez raison, il commence à être tard. Le live va pas tarder à s'arrêter. Manzai et Mime Junior. Ça va, il devrait pas y avoir trop de soucis. Pas trop, du moins. Mais vous voyez, quand je vois la différence de niveau entre mes Pokémon et les leurs, je me dis, ouais, on n'est pas super loin, en fait. Échec mental, ça atteint pas les deux? Non, d'accord. Donc extra senseur sur Manzai et toi tu vas faire. Ah morsure peut-être sur. Non on va quand même lancer étincelle sur Mime Junior. Pour être sûr. Oui bon il y en a certains, il y a les Québécois pour qui il est 15h30 par exemple, d'accord. Ça c'est ça qui est génial, c'est que je sais qu'en fait j'aurai toujours des gens sur ma live. Même à 4h du matin, il sera genre 9h pour vous. Ça c'est génial. Extra senseur c'est génial aussi, j'aime bien l'animation là. Je me fais démolir la face. Eh mais je les ai défoncés les deux là. Ça a été du viol collectif quoi. Mon dieu. Pédocif. Mais non. Toi, hop hop hop, toi là. Ah. T'es sérieux, tu dis ça? Tu fais ton jogging tous les matins? Moi oui. Super utile.
On va prendre les baies qu'il y a là. Et donc après, il faut qu'on voit l'histoire de la clé de voûte, vite fait. On finira sur ça, je pense. Hop. Alors, il y a un Pikachu là qui traîne. Ah ok, c'est un Pokéfan. Ou un Pokéfil, mais non, Pokéfan. Pokémaniac. Pokéenfant. Bah voilà, bah oui, évidemment, Pokéenfant. Et le Pokéenfant, il peut avoir qu'un Pikachu, sinon c'est pas drôle. Pardon. Ils se battent que les matins. Ah, les types en jogging se battent. Enfin, qui font leur. Pourquoi je lui mets. Oui, bon, pourquoi pas. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Oui, bon, je me doutais qu'on allait rater ça avec Reflet. C'est pas mal le coup des coureurs qui nous attaquent que le matin. Plutôt pas mal. Bon, débarrasse-moi de lui, s'il te plaît. Poképédo. Maintenant. Hop, vas-y. Non, j'ai bien fait d'acheter les antiparas. Bon, ça, c'est un truc dans Pokémon. À chaque fois, mais je dis bien à chaque fois que vous croisez un Pokémon électrique, vous pouvez être sûr à 95% que vous allez ressortir paralysé du combat. C'est limite une obligation dans ce jeu. Genre, ah tiens, à la limite... Les Pokémon de type poison, ils nous empoisonnent pas à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, les Pokémon électriques, quand ils t'envoient une attaque électrique, tu peux être quasiment sûr. Pourtant, il n'y a aucune règle dans l'attaque qui dit paralyse à 100%. Et pourtant, à chaque fois, quasiment, tu te retrouves paralysé. C'est... Mon Dieu. Enfin. Bref. Hop, un petit antipara. Et l'œuf, il en est où, là, dans son éclosion? Ça va mettre du temps, je sens qu'on va le garder un petit moment. Et la confusion, ouais la confusion. Ouais, c'est vrai aussi. Précision plus, ils aiment bien les plus-plus. Hein. Allez, on va continuer encore 5 minutes ensemble. Encore un coureur. Ah ouais, Pokémon a voulu te mordre, c'est malheureux. C'est là la clé de voûte? Ouais, insère là. Tour sacrée. C'est la tour sacrée, ça a été construite il y a très longtemps. Ok, magnifique la clé de voûte, super utile. Bon, parfait. Toi, salut. Je voudrais combattre contre tes Pokémon. Allez, ça va certainement être notre dernier combat. Mime Junior. Non, je n'essaierai pas Dofus, non. Non, merci. Ouais, c'est vrai, c'est comme les policiers. Effectivement, moi je me souviens surtout dans Pokémon Argent, où t'avais les policiers qui t'attaquaient la nuit. Surtout celui près de la pension Pokémon à Doublonville. Ouais, je m'en souviens. Oh là là, qu'est-ce qu'il était génial ce jeu. Ça me manque. Même si je vous l'ai fait il y a pas si longtemps. Enfin, il y a pas si longtemps, c'était un... Ouais, alors là, on va changer par contre. Il y a pas si longtemps, c'était il y a un an, vous vous rendez compte, ça passe vite. Ouais, Luxure avec Morsure, il devrait gérer. Au milieu du trou de terre, il y a un objet caché. Est-ce que je referai des lives sur WoW? C'est possible, oui. C'est tout à fait possible. Hop, vas-y, morsure. Normalement, morsure, ça passe sans problème. Ouais, voilà, ce que je me dis, c'est super efficace. Oh, ils ont... Bien XP, mine de rien, on aura fait pas mal de choses. Entre le concours Pokémon, le début de la route, là on part vers le troisième badge. Mais c'est long, hein, le... J'ai l'impression d'être dans Pokémon Y, c'est pareil, dans Pokémon Y, j'ai trouvé que c'était vachement long entre le premier badge et le deuxième. Puis là, ça commence à s'enchaîner un peu. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais c'est très bien, même si on a découvert une... Hurlement, non. Même si on a découvert une arène, donc celle-ci, dès qu'il faudra y revenir, ça sera très rapide. Mais bon, c'est sympa. Rose bouton... Non, on change pas. Et voilà.
c'est du viol. Lucio s'en sort bien. Mais vous avez raison, en fait, on va continuer encore jusqu'à 40. Parce que j'ai commencé le live... Bon, je crois que vous êtes en train de m'arnaquer de 5 minutes. Je crois que je l'ai commencé à 23h05, mais parce que je vous aime bien, on va continuer jusqu'à minuit 40. Ça fera... Petit champi, merci. Ça fera 1h30 approximative. Donc là, il n'y a rien. J'ai deux routes. Alors, laquelle on va prendre? Je vous le demande. Non, jusqu'à 1h, faut pas exagérer non plus. Après, j'ai la rediffusion à mettre. Enfin, la rediffusion sera là que... Je sais pas, je vais réfléchir. Hop, raté. Je voulais sortir de là. Un étourmi. Normal. Je gâche ma nuit pour toi. C'est trop gentil, les gens. Fuite impossible. Eh ben, tu vas mourir. Dans d'atroces souffrances. Choc mental. Ah non, pas reflet. Est-ce que tu penses des deux différentes méga évolutions de Dracofeu? Elles sont sympas, moi j'aime bien les deux méga évolutions de Dracofeu. Non, alors là, clairement, ça va pas le faire si tu commences à faire ça. Mais vas-y, tu me fais pas mal. Mais prends mon attaque, s'il te plaît. Allez, on est bloqué dans les airs par un étourmi qui nous emmerde. Bonjour. S'il te plaît. Non, alors là, j'accepte pas. Fuite. Non, mec. Voilà. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il y a deux routes? Mais merde, il y a deux routes. Enfin, c'est les deux mêmes, mais... Waouh, waouh, waouh. What the fuck? C'est possible de passer là? Ah bah voilà. Ouf. Calcium, ok, voilà pourquoi il y avait que ça. D'accord. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ça fait pas 10 minutes, mais bon, il est 35. Et puis après, là, je sais pas, il y a l'air d'y avoir plein de dresseurs et tout. Donc on se gardera ça pour la prochaine fois tranquillement. Donc la prochaine fois, il faudrait peut-être éventuellement que je revienne voir mon arbre à miel. Ça dépendra le nombre de temps qu'on a attendu. Mais bon, alors au pire, j'irai à coup de repousse et ça ira vite. J'aurai sûrement testé les souterrains également pour voir si c'est possible, si ça bug pas. Et j'aurai peut-être testé. Bah non, je crois que c'est tout. J'aurai pas mis à niveau mon équipe. On testera peut-être le fameux mode dont vous m'avez parlé, le mode défini. Pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Et puis voilà, en tout cas c'était un petit live de reprise sur Pokémon, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, encore une fois je m'en excuse vraiment, là ça va reprendre à peu près un rythme entre 1 et 2 lives par semaine quoi, depuis que je fais des lives un peu impro disons, ouais c'est moi qui vous ai arnaqué de 5 minutes, ouais je sais, non mais vous verrez que ça fera 1h30, vous verrez, ouais depuis que je fais des lives plus ou moins impro, j'ai pas d'horaire fixe mais bon voilà, y a pas de raison que je poursuive pas rapidement dans la semaine. Donc en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. La rediffusion sera dispo très rapide pour ceux s'il y en a qui arrivent là en cours de route ou quoi, elle sera dispo je pense demain midi, comme ça voilà, vous l'aurez relativement tôt. Et puis je passe un gros coucou également à ceux qui regardent depuis la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des astuces, des pouces verts, et puis à vous qui étiez sur le live, merci beaucoup d'être venu malgré l'heure un peu tardive. Et donc on se retrouve dans le courant de la semaine, c'est promis, pour la suite de notre aventure sur Pokémon version Perle. Voilà, merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde!